dans le reggae, on entend Ja Rastafari. Vous, vous dites pas ça? Non. Vous dites quoi, vous? Jesus Christ. Ah. Mais Ja, c'est pas Dieu? Ja, c'est Dieu. Pourquoi vous dites pas Ja? Oh, il y en a qui disent Ja. Mais vous, je parle de vous. Non, il a dit Ja Rastafari. Voilà. Ah, donc vous limitez, vous pouvez vous limiter qu'à Ja. Ja, c'est mais Dieu. Pas. Le Rastafari, ah, ça vous gêne? Rastafari, c'est le nom de Haïlé Sélassié, le nom de son père, en fait. Et ça vous gêne de dire ça? Oui. Oui, puisque nous ne voulons pas nos cultes à Haïlé Sélassié, mais à Jésus-Christ. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que vous vous rencontrez souvent des fidèles qui sont hostiles à... Oui, à moi, j'ai moi des fidèles qui n'aiment pas le reggae. Mais aujourd'hui, qui découvrent à travers nos chants, en fait, une autre facette du reggae. Voilà, parce que je veux dire, longtemps, le reggae a été associé à plein de choses. Hein. Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. Donc les gens déjà sont sceptiques quand il s'agit du reggae. Voilà, là, je vois que vous avez une affiche avec l'herbe. C'est ça, en fait, qui crée la polémique. Ah, merci. Donc, tout ce qui est reggae aujourd'hui est associé à l'herbe. Machin. Mais c'est ce que les anciens Rasta convertis ont prouvé, en fait. Mm. Donc, ils ont prouvé qu'on pouvait se débarrasser de ça, on pouvait faire le reggae sans entrer dans ces... Ça, c'est plutôt associé au rastafarisme. Les rastafariens. Est-ce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ? Bien sûr. Ils disent que Haïlé Sélassié, l'empereur, est défenseur de la foi chrétienne et qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ, qu'il est le Jésus noir. Oui, ça c'est vrai, voilà. Ça ils le disent. Donc, ils le reconnaissent. Un interlocuteur en ligne, un téléspectateur qui a sûrement une question à nous poser ou à poser Pasteur Assis, nous allons le recevoir, il se nomme Constant Doslo. Bienvenue, nous t'écoutons. Salut à toute l'équipe de PPK. Bon, ma question s'adresse au pasteur Assis. Est-ce qu'il pense que en faisant du reggae gospel, cela ne va pas à l'encontre de la musique en tant que telle qu'on appelle le reggae original? Est-ce que cela ne va pas un peu travesti vu que le reggae, on sait tous que c'est une musique d'engagement, une musique de dénonciation. Donc voilà, c'est un peu mon inquiétude. Est-ce qu'il pense qu'il pourra perpétuer cette musique-là? Allez, bonne continuation à toi, pasteur Assis. Merci Constant. Ouais, pasteur. Moi, je pense qu'il faut se faire soi-même son idée. Il faut juste écouter, en fait, les chansons. Il faut écouter l'album et puis chacun pourra se faire son idée. Voir si c'est à propos ou si c'est pas à propos. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la musique, en fait, qui participe au culte à l'intérieur de l'Église. Et il y a la musique, en fait, qu'on fait, qui est destinée à tout le monde. Ce n'est pas évident qu'en temps d'adoration dans l'église, on soit en train de chanter du reggae. Parce que l'adoration, je veux dire, c'est tout ce qui est calme, c'est tout ce qui est posé, etc. Qui est introduit dans la méditation. C'est ça. Dans le reggae ou dans les... Mais dans la louange à Dieu, tous les rythmes trouvent leur place. Okay. On loue Dieu au son des cymbales, au son de la... Voilà, au son de tous les types d'instruments possibles. Vous voyez? Donc, c'est des bruits, en fait. D'accord. Donc, tout ce qu'on appelle bruit, parce que souvent, il y en a qui n'aiment pas certaines formes de musique, ils estiment que c'est trop bruyant, c'est pour ça que ça ne doit pas venir à l'église. Mais dans l'église, quand on fait la louange, là, c'est du bruit.